J'ai 149 Pokémon dans le Pokédex. Je me suis entraîné ici. Ça va être que ça, regardez. Je suis tout le temps là. Tac. Tac. Je suis tout le temps présent ici. Parce que je me suis entraîné, en fait. J'ai entraîné les Pokémon comme pas possible. Donc là, ils sont niveau 60. Donc ils étaient niveau 50 et quelqu'un, chacun. Et surtout, j'ai chopé tous les Pokémon possibles pour avoir les 149 Pokémon pour pouvoir aller voir Mewtwo plus tard. Parce que là, le temps qu'on montre pas le Pokédex du professeur Chen, au professeur Chen avec un certain nombre de Pokémon attrapés, il nous laissait pas aller aux îles Sevi et faire le post-game. Donc là, maintenant que j'ai 149 Pokémon, on peut aller voir le professeur Chen pour qu'il nous dise que l'on peut aller aux îles Sévi. Le chat pisse sur la prise pendant la nuit. Départ d'incendie, Franck meurt étouffé, puis brûle, voilà, plan de Vivi. C'est toi le prof maintenant. Il faut lui répéter. J'ai attrapé plus de Pokémon pourtant. Ouais, mais la quantité ne fait pas la qualité, monsieur. Et comment il fait pour avoir attrapé plus de Pokémon que moi, sachant que j'en ai 149, hein? Du coup, on peut aller sur l'île 1, y retourner, hein, du coup, là où j'étais. Et on va aller chercher le rubis. Le rubis d'innocence, exactement. Normalement, j'ai plein de repousses. Bon, comment s'est passée votre journée du coup à tous les deux?
On va le démonter. J'ai vu une amie, on a déjeuné ensemble et on a visité les ateliers d'artistes. Savannah Frivoli. On a pris un café. Et le café que t'as pris, c'est ce que t'as pris en photo, du coup, avec le, la bouffe. Crime de Saint Cleaner et Dracula ne sort pas avant le 27 août. Ah ouais, t'as poncé le jeu, toi. Maillard, il te l'a fait acheter. La bouffe, c'était le déjeuner. Bon, ça se refuse rien. Eh bah, moi j'ai vécu une journée extrêmement étrange, mais genre le sort s'acharnait contre le château aujourd'hui. Et y a pas que moi qui l'ai remarqué, hein, mes supérieurs et mes collègues, on était tous là, mais il se passe quoi en fait aujourd'hui? C'était, on était tous en sueur et tout ça, les gens ils étaient tous à cran. À cause de la chaleur plus la pluie. Et à chaque fois qu'il y avait une connerie, bah, en fait, je dis à chaque fois qu'il y a une connerie, mais il y a eu des conneries toute la journée, en continu. Des objets qui se brisent, des portes qui se brisent aussi, carrément. Il y a des portes qui se sont cassées. Des gens qui s'évanouissent, on sait pas comment. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Une collègue. Alors, ça c'est moi qui ai rajouté pour l'humour. Une collègue qui fout jamais rien, qui arrêtait pas de bosser aujourd'hui. Quand j'ai dit ça aux supérieurs, ils ont été là, oh mais non mais c'est fichu, c'était une journée. On sait pas ce qui s'est passé. La malédiction de Versailles, c'est ça? Qui a déterré le... Le corps de Louis XIV, la malédiction du château, comme les pyramides. Non mais c'était une journée ultra étrange. Journée extrêmement étrange, de plus qu'on n'a pas vu passer en fait cette journée. On était tellement occupés avec les autres chefs qu'on a... On a eu le temps de rien faire en ce qui concerne certains trucs qu'on devait faire. Et on a dû s'occuper tout simplement du château de façon, j'allais dire habituelle, mais de façon plate. Genre, on n'a rien apporté au château dans la journée. On a juste occupé et fait en sorte que le château puisse continuer à avancer. Parce que là, on pouvait rien faire en fait dans cette journée. On était appelé à droite à gauche dans tous les sens. Les visiteurs, bon, toujours... toujours... comme d'habitude, quoi. Un peu con-con. Mais plus que d'habitude, quand même, vu qu'ils étaient ultra à cran sur... sur toute la journée, quoi. J'ai regardé 3 streamers dans la journée y jouer. Attends, non, mais j'ai pas le droit d'acheter de jeux pour le moment. Pourquoi? T'as pas le droit ou t'as pas d'argent? La moiteur renfle les gens. Bah c'est un peu ça. Et tout le monde était au ralenti aussi, ça, on l'a remarqué aussi. Tous les agents, que ce soit les nouveaux, les vacataires, comme ça, tout le monde était au ralenti aujourd'hui. C'était, comme je dis, ultra étrange. C'est une journée qu'on aimerait qu'elle n'ait pas été... été passée, quoi. On aurait préféré une journée... comme d'habitude, quitte à avoir énormément de personnes, une journée simple, quoi.
J'accumule des jeux, jamais je finis, j'achèterai quand je... Je ne sais pas car je retombais en dépression. Ma liste de jeux avant de pouvoir en racheter. Donc c'est toi qui t'imposes le non-achat. De Blue Saturn. Ouais, c'est ça. Et je m'y tiens. J'adore ces musiques. Là, je suis sur Far Cry 5. Far Cry 5 que je vais refaire aussi, hein. C'était un des premiers jeux que j'ai fait sur la chaîne. Il va bien falloir que je le refasse. Je vais essayer de le faire en duo. Avec Kuzoko, pourquoi pas. Ou avec Matt, s'il veut y jouer. Mais peut-être qu'il l'a déjà fait et qu'il a plus trop envie d'y jouer. Ah, ce serait pas tout de suite que je le refais, donc je pourrais pas le faire avec toi, mais... Parce que ça va être dans un moment que je vais le faire. Et déjà j'ai le... C'est lequel le... Ah j'ai le 6 que j'ai acheté. Alors j'allais dire je vais avoir un mochon mais non même pas en fait. Et je vais faire le 3. Le 3, le 4, le 5, le New Dawn et le 6. Sachant que sur la chaîne j'ai fait que le 5 pour le moment. Je sais, il nous aime pas. Est-ce que vous connaissez un streamer qui aime ses viewers ? Non, attends. J'en connais une. Non, mais Sparkle, ça compte pas. Elle fait genre, mais... ça en fait ici. Ah. C'est la photo sinon fake. Ça se saurait si Sparkle aimait les gens. Déjà elle ferait partie d'événements caritatifs, hein, ce qu'elle n'a jamais fait, on va pas se cacher. Je m'aimerais moi-même alors. Cascade.
Oh, ça veut dire qu'il va falloir que j'apprenne à Dracolos. Semaine prochaine, j'essaierai de faire le DLC de Pokémon Violet en monotype, comme me l'a suggéré Zelm. Ce sera peut-être le seul, mais j'ai envie de voir quand même si c'est faisable en monotype. Le truc. C'est ma curiosité qui prend le dessus. Et bien sûr, lundi, on rejoint la marquise pour jouer. Lundi, ça fera marquise, DLC de Pokémon Violet en monotype, et le nouveau React qu'on va démarrer. Pas Vivi ? Elle travaille ce jour-là. Là, dernièrement, on l'a pas vu parce qu'elle était en vacances, les jours où on jouait. Et là, bah, elle travaille, donc on la verra pas non plus. Et dans 2 semaines, c'est au tour de la marquise de travailler. À part s'il a posé des vacances, je sais qu'il pose souvent des vacances sur ses lundis de travail, maintenant. Donc il a peut-être posé des vacances dans 2 semaines. Donc à voir. Et dans 3 semaines, c'est sûr qu'on sera tous là, par contre. Parce que la marquise, lui, quand il est en vacances, il peut jouer. C'est pas... Il a un PC, quoi. Il peut jouer. Ensuite, bah, mardi soir, comme d'hab, stream. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mardi soir ? Est-ce que j'ai besoin... J'ai peut-être besoin d'un jeu. Je crois que je vais commencer Senseiya. À la place de Spider-Man. Je vais faire le jeu Senseiya Soldier Sound. Plus lequel c'est. Non, c'est vrai ? C'est vrai que j'ai pas encore respecté ce donation goal, putain. Ouais, peut-être que je le fasse avant via TTC 2024. Il y a aussi le donation goal du... C'était quoi, c'était Dragon Quest, le JDR Dragon Quest que j'avais dit que je ferais. Le JDR Dragon Quest, il y a eu un souci, et il faut voir si je vais pas le faire sur Roll20 au final. Non, c'est le GDR, je m'en souvenais, c'est juste qu'il y a eu un souci avec la roadmap. Du coup, il a fallu que je reprenne de zéro. Et moi, quand je dois reprendre quelque chose de zéro, faut que j'attende d'avoir la motivation, sinon je fais n'importe quoi, en fait. C'est surtout ça. J'ai pas envie de faire... n'importe quoi. Il nous aime pas, j'arrive, je me plains de Franck, bon voilà. J'hésite à compléter le Pokédex de ce jeu entièrement. Je le ferai pas en live, hein, c'est sûr.
Je le ferai pour moi-même. Mais c'est très tentant. Ah, et bien sûr. Du coup, ensuite, mardi. Ouais, Saint Seiya. Soldier Soul, je crois, ça s'appelle le jeu. Je suis sûr. Le dernier jeu Saint Seiya qui est sorti sur PC. Et qui date d'il y a un moment. Ensuite. Je crois que c'est jeudi, mon jour de repos. Bah non, la semaine prochaine, j'ai pas de jour de repos. J'ai mon week-end de repos. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, pas de live. Samedi, live toute la journée. Et dimanche, live l'après-midi. Oh, ça fait une petite semaine en termes de live. Je veux dire, Souls. Ouais. C'est un Saint Seiya qui retrace tout le manga, en fait. Et il est franchement pas mal. Donc ouais, mardi soir, Saint Seiya. Dimanche, c'est sûr que c'est Skyrim. Faut que je trouve quoi faire samedi. Bah, samedi, ce sera Monotype, puis Fire Emblem, je pense. Je pense qu'on partira sur ça. Qui a l'arc avec Yggdrasil. Ah. Moi je me rappelle juste des arcs normaux. Moi. C'est un DLC ou il y a un truc... En plus... Après, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens pas. D'ailleurs, je l'ai relancé l'autre fois sur ce nouveau PC. J'avais encore ma sauvegarde de quand j'y ai joué la première fois. Donc j'avais tous les personnages, tous les trucs au rang S, enfin, voilà quoi. Et encore, il y avait des trucs que j'avais pas réussi à avoir au rang S parce que c'était trop chiant. Thank you.
coup percé. Oui. Donc ça c'est haut. Ça c'est gauche ou droite, donc on va tester gauche. C'est gauche. Donc ça c'est forcément droite. Et ça c'est bas. C'est la série Saint Seiya Soul of God. D'accord. Vous n'avez rien vu. Si je voulais retourner sur Star Wars The Old Republic, je ferai pas ça samedi. Surtout que samedi j'ai toute la journée.
mon gogo. On s'en débarrasser. Si je termine le jeu ce soir avant minuit, on fera du tri de cartes. J'ai reçu les pochettes. Elle a fait la connerie. Je voulais prendre ça. Une perle. T'es un seul chat. C'est pas le bon. Ouais.
Avec un peu de chance, je vais réussir à avoir Suicune aussi d'ailleurs. Je vous ai dit que j'ai une dure journée. Zoko qui m'envoie ses repas là. M'envoie ses repas au restaurant de vacanciers là. Du repas hyper gras. Je sais pas, c'est du saumon. Donc j'aime pas ça, mais c'est ultra bien présenté et ça donne faim. Dîner simple avec ce que j'ai bouffé ce midi. Un dîner simple, c'est tomates, salade. Il reste guacamole de fromage. J'ai jamais mangé de guacamole quand j'y pense. Polygone. Sporat. Moi je suis intolérant aux poissons donc
C'est un peu compliqué de bouffer du saumon. Une côte à l'os cuite au barbecue. Ouais. Si seulement. Là, à cause des JO, dis donc, on n'a pas pu faire de barbecue au château depuis plus d'un mois déjà. Hop, il nous reste plus que l'île 7 à aller voir.